Alors, le but de notre association est de favoriser l'accès aux loisirs des enfants en situation de handicap et polyhandicap et des adultes dans la même situation. L'association des loisirs Les 5E, eux, ça veut dire être, exister, entreprendre, évoluer ensemble. Le projet que nous avons présenté au concours des associations du Crédit Agricole correspond à un séjour pour des personnes en situation de handicap et polyhandicap à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances. Pour eux, c'est également du plaisir, de la liberté retrouvée, des nouvelles sensations, de l'entraide, beaucoup de valeur. Le public visé, quand je parle de personnes en situation de handicap, c'est tout handicap confondu et c'est de tout âge également. On va dire entre 30 et 70 ans à peu près. Il va y avoir 12 personnes en situation de handicap et 11 bénévoles. C'est surtout des personnes qui viennent de Niort et des alentours de Niort. L'impact du projet par rapport aux participants, ça va être avant tout l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est également la primauté des valeurs humaines sur les valeurs matérielles, puisque ce sont des bénévoles qui accompagnent. L'utilité de nos actions en général est de mieux faire accepter les personnes en situation de handicap dans la société. Et sur le plan du territoire, eh bien, être écouté un peu plus par les élus, être un peu mieux reconnu aussi dans la région du Niortais et autour. L'identité de notre association, c'est avant tout l'entraide, l'aide aux personnes vulnérables, le plaisir de faire plaisir. On voit des étoiles dans les yeux des personnes, on voit les sourires et c'est ce qui est le plus important pour nous.